important d'avoir ce soutien. De plus en plus, on remet en cause tout ce qui se passe dans les traditions. Au niveau européen, on est en train d'attaquer le gavage des oies. On est en train d'attaquer toutes les fois qu'il y a un accident dans une manifestation, dans des charrettes, dans des abrivades, dans des ancières, les corridas qui ne sont pas inquiétés pour le moment, mais on a un petit doute, car ces gens sont intolérables. Ce sont des gens qui ne supportent rien et qui ont, avec leur façon de faire, voudraient nous imposer leur vision. Non ! Non ! On se fera respecter. Nous, on respecte les gens, on respecte leur passion, on respecte leurs coutumes. Lorsqu'on va à l'étranger ou dans d'autres régions, on est admiratif de ce qui se passe. Et je crois que eux devraient regarder autour de nous, car c'est au travers de la passion, de l'amour, de nos racines que nos anciens ont légué, nous ont légué. Et nous voulons les perpétuer dans le temps pour que nos enfants et nos petits-enfants en profitent. Présents aujourd'hui pour défendre la Bourgine et au-delà pour défendre nos traditions et notre identité provençale. Et à ce titre, l'organisation de ce grand rassemblement à Saint-Rémy, magnifique commune des Alpilles, située en plein cœur de notre Provence, c'est un symbole extraordinaire. Et après tout, l'identité provençale, c'est quoi? L'identité provençale, c'est d'abord une histoire. Ce sont nos traditions que raconte cette histoire. Ce sont nos traditions qui la font vivre. Ce sont nos traditions qui la font partager. Et qu'on ne nous dise pas, à l'heure de la mondialisation, de l'Europe, que notre mode de vie est archaïque, que nos coutumes sont dépassées. C'est une erreur fondamentale. Ces traditions, c'est notre avenir. C'est un repère pour nous et pour les générations futures. Mais c'est aussi un rempart. Un rempart contre l'uniformité qui ferait qu'en Alsace, en Auvergne, en Bretagne, en Provence ou à Paris, on vivrait tous de la même façon. Et je dois vous dire, j'en ai assez que ce soit des gens venus d'ailleurs qui viennent nous expliquer ce que l'on doit aimer ou ne doit pas aimer. Assez que ce soit des gens venus d'ailleurs qui doivent nous dire ce que l'on doit perpétuer ou ce que l'on doit abandonner. Est-ce qu'on explique aux Parisiens comment ils doivent vivre? Quels doivent être leurs loisirs, leurs goûts, leurs occupations? Pour vous rappeler, il y a quelques années, quand un de mes collègues de l'Assemblée nationale, originaire des Yvelines, voulait que tous les cavaliers portent une bombe. Cela aurait été essayant dans sa commune de Maison-Laffitte. Mais vous imaginez nos Mireille et nos Arlésiennes en train de défiler avec cet accoutrement et pourquoi pas aussi les gilets tigrés. Monsieur le maire, cher Max, aujourd'hui, si tu nous y autorises, nous sommes tous éragués. Le bout de la Provence va aujourd'hui à Saint-Rémy en solidarité avec Erague. Erague, la ville d'irréductibles Gaulois, qui ne veut pas se faire dicter sa conduite par des gens qui ont été accueillis en Provence et qui, au lieu de s'adapter, d'apprendre à aimer nos traditions, veulent nous imposer un mode de vie qui n'est pas le nôtre. Sous le ciel de notre belle province, là où poussent nos rêves d'enfance, on aimerait aujourd'hui tuer ces jeux qui nous font danser l'été. Fifre et tambourine aérée, lavande, olive, pays solaire, ils aiment les clichés, pas nos attrapes aérées. Ces gens, ces processionnaires qui, comme aux zoos, errent sur nos terres. Je vous le dis, mes amis, haut et clair, on aimerait nous mettre sous verre. Jolie vue du village, baiser des galières, et puis quoi encore? Voler nos baladières? Non! C'est un nom juste et bon, non! Car voyez-vous, plus que nos traditions,
ce sont nos vies, ce sang, notre bouillon de culture qu'ici, maintenant, nous défendons. Nous ne sommes que de passage, mais toujours, dans notre paysage, vivront nos bio, nos taureaux de Camargue, et avec eux, nos anciens, bandides et abrivades. Mes traditions, mon identité, mes filles, et de tout cœur, je vous le crie, mes coutumes, ma passion, ma vie, n'y touchez pas, je vous en supplie. Mes traditions, mon identité, mes filles, mes filles, mes filles. Bonjour à tous, vieille. Est-ce pas la reine risente qu'elle a qui? Est-ce la reine qui va faire les patestes? La reine patente? La reine qui est là pour protéger son pays et son terroir? Alors je parlerai d'abord en français. Je pense que je me suis trompée. Je suis allée à l'école depuis ma tendre enfance. Dans cette école de la République, la même que nos juges et que nos élus. Et dans cette école, on m'a appris que je vivais dans la France des libertés, dans la France, des droits de l'homme. Alors pourquoi, je vous demande pourquoi, sommes-nous obligés aujourd'hui de venir défiler dans les rues pour simplement défendre notre droit à porter un costume ou à monter sur un cheval ou à aller s'asseoir dans des arènes? Et comme Georges Pompidou l'a dit, je m'autorise aussi à le dire, arrêtez d'emmerder les éragués, arrêtez d'emmerder les provençaux, arrêtez d'emmerder les Français. Merci à vous tous. Sans baisser la finition, et c'est tout.